Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Pharaoh Total War dans lequel nous jouons Ceti, dit la brute. Alors, un poste vacant, le grand prêtre d'Amon, ouais bon, pas historique, allié attaqué, Taouset attaqué par Aouset. Taouset attaqué par Aouset. Désolé Taouset, je ne peux hélas pas faire grand chose en vrai. Alors nous rendions au nord si j'ai pas oublié, mais le tour n'était sûrement pas passé. Le tour n'était pas passé. Alors j'ai besoin de conquérir quelques terres, parce que au niveau de la nourriture, ça ne va pas du tout. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Je vais voir quand même si je peux... Si je peux faire un peu quelques paix. Nibou, non, Nibou, ils sont en train de se battre là-bas. Ils sont où ça? Encore les Rakotis, les Rakotis. Les Rakotis, négocier, négocier, traité de paix. Ils veulent pas. Ils ont un bon rang. Bon, bah on va avoir d'autres. On va en avoir d'autres. Hein. Alors. Les. C'est ceux-là. C'est ceux-là. C'est les Ménéfers qui. C'est dit. C'est dit, ils veulent. Hop, je leur envoie. C'est dit, on est en paix, ça c'est parfait. Diplomatie, ça. Non, ça non. Qu'aimez-nous, j'aimerais parce qu'on n'est pas loin. C'est accepté, très bien. Et ouais, 7 non, parce qu'il tape sur mon allié. Alors c'est bien, on s'est débarrassé de pas mal de troupes problématiques qui peuvent être problématiques. Oh, on peut faire des chars légers. Là, on a de quoi. Mais on va pas le faire. Si, pour la forme. Franchement, pour la forme. Ça me demandait tellement de grains et de trucs comme ça. Et pour la forme, que dalle. Pour la forme, rien du tout. Parce que je suis à moins 2000. Et que là, j'ai pas beaucoup de tours pour réussir à récupérer de nourriture. Je suis à moins 2000 de bouffe, quoi. Et t'as offert courage. Certes, il rigole zéro. Hein. Vache. Ça, c'est de l'allié. Hein. Wesh, wesh. Wesh, wesh. Wesh, wesh. Ah merde, pardon, le nom il m'a mis bien, c'est... Désolé, je suis pas quelque chose. Une action de cours, lance un complot de discrédit contre le... Ouais, allez. J'accède... qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'ai du tiens, je vais aller l'embêter. HH là. J'ai pas le choix que d'aller chercher, même si j'ai subi quelques... Perte due au désert, non, peut-être pas. Hop, on va y aller. Lui aussi, je suppose qu'il en a subi. Oh oui. Résolution auto. Perte faible contre perte élevée. Là, on prend du sable.
dans les yeux. Hop là, bien joué. Bien joué à toi, cette mini. Tu as bien mérité de gagner un niveau. Oh, butin de bataille plus 20%. Oh la vache. Ah oui, c'est pas mal du tout. Hein. Voilà, je vais aller piller ces avant-postes. Tu veux que ça rapporte des thunes? Ça rapporte pas que des thunes apparemment. On en pille un autre. Sur le chemin. Ah. Oula, deux tours. Non. J'ai combien par tour? Ouais, ça c'est très bien, on va continuer le siège. On va voir ce que ça va donner. Et lui... on va lui demander de s'avancer un peu. Action restante, manque de ressources, oui. Oui. Manque de ressources, on va essayer de vite choper de la ressource. Je sais pas où je peux la choper donc. Horizon de ressources plus 5% dans toute la province. On va faire ça déjà. Je vais essayer d'échanger de l'or parce que j'en ai vraiment pas mal de l'or contre de la bouffe à je sais pas qui. On avait pas déjà filé lui aussi, négocier. Attends, on va faire un échange ponctuel, votre proposition. Allez, vas-y, s'il te plaît, file-moi 2000 de bouffe. 110. Difficile en affaire, hein. Voilà, bon. J'ai réussi à faire un échange ponctuel, ce qui fait que je ne suis plus en perte. Enfin, j'ai encore un tour ou un tour à tenir là. Je peux encore tenir un tour, je veux dire. Alors que j'arrive à régler ce problème de nourriture, hein. Là c'est très problématique. C'est un problème problématique. Wesh. Qui n'a rien pu m'envoyer, ça déjà c'est une bonne nouvelle. Wesh qui ne m'a rien envoyé plus. Bon, normalement là je peux résoudre. Moyenne. Toi avant que la colonie se rende. C'est beaucoup là. Continue le siège, je vais prendre la ville et ça devrait faire tomber ça, non? Merde. Bon. Putain, y'a un truc là, il peut pas l'aider, y'a pas un... Non, ouais, j'ai l'impression qu'il y a des points des fois qui se lèvent, mais... C'est bizarre, hop, je vais passer là, ça va intercepter ces troupes. Ah ouais, y'a tant de pertes que ça, ah, c'est à cause de l'avant-poste.
Alors, on met en résolution auto. Joue les gars. Sort de justesse, vraiment. Waouh, la bouffe que je gagne, 5555. Ah ouais, mais là je suis bien là. En vrai, j'occupe. Hein. En vrai, il faut, il faut juste tellement de bouffe que. Que j'occupe. Ah, je manque de bois pour construire ce qu'il faut, c'est pas grave. J'ai eu de la perte mine de rien, par contre. Oui, il y a bien. Ah, voyons voir, ça me fait quoi ça? Donc, ma unité la plus gradée, du fort, c'est en général, ouais, d'accord. Ça, ça fait quoi ça? Ah d'accord, c'est voilà pour ça. Intéressant. Je peux faire un échange d'unités. Enfin, j'ai pas une unité pourrie chez pourrie, genre quête par Kitran. Ah non, dommage, ça marche pas. J'ai essayé. Alors, on va faire quelque chose. On va sortir. Et on va le rentrer. Histoire qu'il se reconstitue. Lui, il a gagné un niveau. Hop là, un peu plus de reconstitution. Impeccable. Donc, ton prochain, on continue vers le nord. On est toujours de la dèche de bouffe là. Puissant ce truc. Mais c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Bon, y a pas des choses qui me demandent pas de bois. Non, ça, ça demande du bois. Ça, ça me demande du bois. C'est pas ouf, hein. Ça. Enfin, ça me demande du bois, mais c'est du bonheur, hein, quand même. Ah là 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 là. Ça me demande du bois, mais c'est du bonheur. Mais personne, là. Ah, on les a tous zigouillés, c'est parce comment? Vache. C'est vrai que le coup nous a gagné. Ah, ça sert à ça l'estime, d'accord, je viens de comprendre. Si il a assez d'estime en moi, je peux faire une requête. À savoir là. Ménéfer. Ménéfer. Bah c'est pas celui-là. Mais je suis pas en train de leur taper sur la tronche à eux. Si, je crois. Ça me semble bien que je suis en train de leur taper sur la tronche à lui, hein. Ménéfer. Non, je vais proposer une assistance. Ouais, non, peut-être pas l'assistance. Non, mais on va faire un. On va faire des rumeurs, c'est bien. I have a good feeling about you, friend. Moi, je pourrais encourager le. Ouais. Ok, fin de tour. Ah là, c'est l'obsession, c'est production de céréales quoi. Là il n'y a pas de... Non, non, c'est céréales, hein, le mec. Sans pain, sans blé là, je suis dans la mouise. Crown Prince Seti. Traitors. Je vais voir si je peux aller choper celle-là. Il y a du monde. Il y a du monde et il y a une garnison d'avant-poste.
poste. Donc ce que je fais, c'est que j'encercle. Et que là, vu que j'ai deux armées, je bloque. Les renforts de l'avant-poste. Et là, résolution automatique, ça passe tout seul. Bien joué à toi, Seti. Je gagne un peu de nourriture. Légitimité encore. Hein. On occupe. Hein. On est fait qu'occuper. Pas déconner. Vous avez prouvé votre légitimité et montré que votre nom inspirait le pouvoir. Vous pouvez vous déclarer pharaon, mais cela mènera inexorablement à des conflits avec les autres prétendants à la couronne. On va pas le faire de suite alors dans ce cas. J'aimerais bien terminer ma conquête avant de... Avant de faire ce qu'il faut. Ouais, une bonne reconstitution ici, hein, la vache. Burning for battle. Voyons voir. Ensuite c'est Menefer. Menefer. Ah ouais, c'est carrément là. Produit quoi lui? Du blé, du blé. Ah ouais, mais il me faut toutes ces provinces là, elles sont riches en blé, hein. Le poste de pharaon, je sais pas comment, tant mieux. Pour l'instant, tant mieux. Et ça me dit là. Ça demande du bois, ouais, mais ça demande du bois donc non. Mais il y a des trucs qui me demandent pas de bois, je crois qu'il y a rien qui me demande pas de bois. Ça, on avait déjà vu. Par contre, le bois, je sais. Honnêtement, je sais pas où est-ce qu'il est produit le bois. Hein. Ils en ont les mecs et moi j'en ai pas. Ah si tu me dis qu'ils produisent du bois là-bas, je te crois pas. Je sais pas si je peux zoomer en zoomant, voir ce que produisent. Nourriture bois. Eh. Donc là je suis censé pouvoir produire un peu de bois. Oui. Ok, mais comment? Ah, c'est pas que je veux pas, hein. Je vais sur l'encyclopédie. Y a pas de bois, là? Un bout de bois, il y a reçu, non. De bois. Ah ouais, ça fait des bateaux, c'est chelou ça. Ouais, j'avais lu, je sais plus où, qu'il faut un accès au fleuve, une ville côtière, un truc comme ça. Hein. Ça doit être ça. Hein. Bah écoutez. Oh, on peut passer. Bah oui, oui, bien sûr qu'on passera. Bien sûr qu'il passera. Quelques tours de reconstitution, apparemment, quand même. Les actions, je peux pas. Comme on voyait. Il faut du bois pour pouvoir faire du blé. Oh putain!
Audi, j'ai vu une fusée passer là. J'aime pas la blague. J'ai vu un truc passer à une vitesse. Alors, je vais pouvoir lui prendre ça, hein, c'est pas un problème. Mais quoique, oh la vache, la garnison là. Scott. Ok, on est sur la survivante de Russe. En vrai, ils me font chier parce que. J'ai rien pour me donner de la vitesse avec mes unités. Et lui, il va me rattraper. Après, en soi, là, il est en marche rapide. L'unité commence fatiguée et. Franchement, il y a peut-être moyen que je la gagne. C'est en marche rapide là. L'ennemi a rassemblé une force conséquente. Envisagez une retraite tactique. Il commence fatigué le mec. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils ont 6 unités de distance. 1, 2, 3, 4, 5, 5 et des archers. Et un fondeur. Ce qui me gêne, c'est le char. Je vais vraiment donner perdant en tant que ça, là. Élevé, faible. Il commence fatigué quand même. On va essayer de la jouer. Je sais pas pourquoi. J'ai quand même un mauvais pressentiment. Ah purée, des archers, ce sont des bons archers. Vraiment, ils sont certes fatigués. Mes unités sont plus entraînées. Les siennes, non, à part un char. En vrai, tempête de sable, pas terrible. Je vais déployer en chaleur étouffante. Ils sont déjà fatigués et ils vont encore plus accuser le coup. Alors, hop, que j'y vois plus clair. Ok. Où est-ce que sont ces chars? Ah. Les chars sont sur ce côté là, bah, je vais y mettre les... Je vais éviter de mettre mon général de ce côté là. Mon général il va se barrer là-bas. J'ai pas trop envie de le faire rencontrer des... Ah. J'ai que des unités à lance donc... Je suppose qu'elles ont des bonus... Contre les unités... Les unités montées hein. Vache, ah, ça en fait quand même des péons. Il y a une formation mode garde. Ouais. Est-ce qu'il va prendre l'initiative? Il prend l'initiative, très bien. Dans ce cas, je vais décaler mes archers là, je vais leur demander d'aller là-bas. Ça va faire mal ces chars. Oh, j'ai comme un mauvais pressentiment. Non, ça va. Ok. Je vais arrêter de les faire courir. On va les faire marcher. Et je vais aller les chercher petit à petit. Quelques archers couchistes très fatigués. Même ces chars commencent très fatigués. Ça, c'est bien. Voilà, il aura beau se décaler, au bout d'un moment il pourra pas se décaler plus. Hop, parce que... Je vais faire... Ouya. Ah, what? Oh, ça s'est foutu comment là? Non.
Où il a avancé là, de ce côté là. Allez, je dis de quoi. Oui, il va absolument finir de l'autre côté, lui, je sais pas, C'est où là, je comprends pas trop. Hop, voilà, on avance, et s'il décide d'avancer encore plus, il sera pas content. On est limite, là, on joue avec les limites des frondeurs, hein, de ce côté-là, donc même des frondeurs. Donc je vais pas avancer plus. Il y a une grosse portée avec ces chars, là. Enfoiré. Il y a portée de projectiles. Alors que j'accélère. Bon après il tire pas non plus 36 000 projectiles. Accélérer un peu. Ouya. Ouais c'est pas gagné hein. Et là, je demandais le contact avec mes unités. J'ai pas vraiment envie de les faire courir. Hein. Surtout lui. Tu me diras, il est obligé. Hop, on va s'avancer. Il fait reculer ses unités. Ah non, je vais pas te laisser faire toi. Ah, il fuit hein. Bon là j'ai le corps à corps, une fois que j'aurai le corps à corps sera plus simple. Là, tant qu'il fuit, en vrai, il tire pas. Donc s'il tire pas... À mon avantage... pourquoi vous êtes déjà en train de fuir, là? Vous êtes 208, les mecs. Pourquoi il avance plus, lui? Ah non, d'accord, c'est parce qu'il y avait du monde. Ok, il se prend des tirs quand même, ou... C'est son allié qui prend... Personne n'y prend plus cher que nous parce que ouais, les chars ils ont fait tellement un café monstre. Je suis au corps à corps là et je me fais défoncer. Perte de morale je suppose. Allez, on monte sur les lanciers couchistes là. Oh, putain, mon général il prend cher aussi. Hop, là ça va être le corps à corps. J'essaie de temporiser la bataille là-bas et de jouer avec mes archers comme je l'avais fait à la bataille précédente. Le but c'est de retirer un maximum de ses archers. Bon, l'arrivée de ses renforts, là, il fait un rouleau compresseur là-bas. Bon, c'est mal barré ici. Bon, bah au moins j'aurai un peu plus de bouffe. Non, en vrai, en plus, j'aurais fait des pertes. Donc... Non plus, non. Eux là, ouais, eux. On embête plus. Ah oh, bon, général, là, cet outil. Oh, pareil. Et dire qu'ils ont commencé très fatigués. Là, mais les chars ils sont très 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 problématiques. J'espère pouvoir les abattre un maximum. Désactiver le mode escarmouche, désactiver le mode escarmouche, désactiver le mode escarmouche. Archers loose.
Et les chars ont pris tarif, ça c'est une bonne chose. Ok, il n'y a plus de chars. Là, il faut absolument que j'arrive à me prendre, à prendre cela avant l'arrivée de leur renfort. Est-ce que mes troupes ont reconstitué? Là, on peut les temporiser un pouya ici. On devrait arriver à faire mal. Ça dépend du nombre de temps qu'eux tiennent, en fait. Et que lui tient aussi. Mais j'ai les appuyés. Les archers là ils prennent cher. Ouais, attention à mes munitions. Hop, ils ont fui. Là on demande à ce que ceux-là soient attaqués. C'est pas que derrière on le voit pas mais. Et là un bon gros tir dans le tas là. Ok ça c'est bon. Oh merde. Allez, lance-y au corps à corps là, c'est bon. Et lance-y au corps à corps là, c'est vraiment pas bon. Côté ça envoie on envoie des traits comme il faut et là il envoie des traits sur son copain. Oh regardez, regardez ce que j'ai là. Ouais revenez, revenez, revenez. Hop. Là il faut que je balance toutes les tous les projectiles que je peux avoir avant, avant qu'il se réveille. Ah ouais non là ça va être compliqué. Là. Réactiver le mode escarmouche mais j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Oh, putain je suis en bordure de map. Oh merde, oh je suis sacrément en bordure de map même. Ouais, le mode escarmouche qui a pas fonctionné. Il n'a pas fonctionné du tout. Ah ça y est, il s'est réveillé. Si si, ils se sont réveillés après un long moment. Bon je vais la perdre, mais en vrai je lui aurais fait très mal. Je lui aurais fait vraiment mal. Essayer de leur tirer dessus avant. Là les frondeurs ils vont prendre cher par les unités corps à corps normalement. Faites le tour les gars s'il vous plaît. Le but c'est de les massacrer. Tous les côtés. Ouais. C'est pas bon. Bon, je me serais débarrassé d'un fondeur ici, quoi, en attendant. Corps à épée bouclier, ah ça ça craint. Replacez-vous et attendez-les. Faudrait essayer de lui faire mal. Il a reconstitué? Non. Non c'est bon. Alors foncez dessus. Ils vont pas aimer la blague. Ensuite on ira sur le général. Oh, sur les archers, c'est bien les archers. Hein.
Sauf qu'il fera plus de pertes encore. Une bonne charge. La vache, ils tiennent, hein. What? Pourquoi ils sont barrés? Ah d'accord, bon bah hop, bon bah c'est fini. Bon. On a emporté pas mal de... On a fait autant de victimes, hein, en vrai. On a beaucoup d'archers qui ont réussi à fuir. Voilà, je crois que j'ai perdu mon général. Dans l'affaire. C'est pas une mauvaise bataille, on avait des moins bonnes unités. Défaite honorable. Mais surtout on l'empêche de continuer gratuitement sa route. Et ça c'est une bonne chose. Hop, allez, direction. Là-bas, toi. Hop, restons ça, faire diminuer les coûts d'entretien. Je suppose qu'il n'y a plus personne là-bas. Il a de la chance. C'est quoi ici? Il a son propre coup d'entretien pendant quelques tours. Allez, ce sera tour. Hop. Ah, il est tout seul là-bas. Hop. Allez, vous savez sur quoi ça va partir. On pille un coup. Hop. Alors, sur de la reconstitution. Je retraverse pour la reconstitution. Et ça devrait le faire pour le prochain tour. Il a pris tarif. En vrai. Il a peut-être pillé 2-3 trucs de ci de là, mais pas grand chose d'autre. Alors, je vais pouvoir faire de la bouffe, les gars. Oh, un poste en moins. Ah oui, mais je l'ai possiblement cramé la tronche. I have a good feeling about you, friend. Hop, non, construction... Ici? Ah oui, c'est ici. Ah bah non, c'est pas juste, ça demande de plus en plus de bois à chaque fois. Et... C'était 390 ou 400, hein, c'était pas 531. Mais c'est pas cool ça par contre. Je vois pas ce que t'as. Ce qui te manque. Ah oui, si. Voilà. Il te manquait ça. Ok, très bien, ça me va. Bon, 531. Je retiens ce chiffre. 531 bois. En vrai, je gagne plus 100 par tour. Là, je devrais avoir ce qu'il faut. Non, mais je retiens. 531 bois. C'est bon, on veut bien, je veux bien être gentil un moment, mais... Il a perdu 2 unités, là. Ah oui, bah, il est dans le désert. Wesh. Bon. Divine Prince. La portée pour Menefer. You cannot hide. Ah oui, je suis pas donné gagnant là. Ouais, sacré garnison à la colonie Kem.
Est-ce que je peux faire la même que... Je peux faire la même que tout à l'heure. Je peux pas faire la même que tout à l'heure. Oh, oh ça pue ça. Bon là au moins il a pris cher. L'avantage c'est que je vais pouvoir aller chercher, normalement il a pris des dégâts. Moi j'ai pu avoir de la reconstitution. Voilà. Voilà. Un coup de miséricorde. J'ai besoin de quelques ressources. Et en vrai, je vais voir si j'ai pas un coup à jouer en diplomatie, parce que bon, là c'est compliqué, mais un peu quand même, quoi, avec lui. Warrior of Egypt. J'ai pas le droit de négocier avec lui. On ne peut négocier le fait. Ah merde. Ah c'est con. Bah j'ai peut-être perdu une grosse troupe là. J'ai très possiblement fait de la merde. Je peux pas prendre la ville. Et si je reste là, pas ouf quoi. Et même en mode courir, je peux pas. Oups. Pas terrible. Parce que là il y en a 5. 22 garnisons avec l'avant-poste, avec les avant-postes. Ah ouais non mais attends, il a 3 avant-postes. Ah non même pas, 22 de garnison. Ah ouais non mais rien que ça quoi. Ouais mais tu m'étonnes que... Non mais non, je peux toujours... Bon 200, alors attends, 531. Attendez, là pendant qu'on y est, 531. Pourquoi je veux pas? Non mais déconnez pas les mecs, donnez-moi... Enfin, ah, chaîne de colonie principale niveau 3. Bah et commence niveau 2, je sais pas. Plutôt que de me donner des trucs... Oh. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Super, ah ouais, là, c'est cool. Bon. Char de basse Égypte. Char léger de basse Égypte. Ah, c'est intéressant par contre là. Ah, ce qui était intéressant, c'était ici. Ici parce qu'on a que plus 2 de bonheur et qu'on pouvait augmenter ça. Non, qu'on pouvait augmenter à faire que grâce à ça je vais pouvoir remettre des taxes. 5 tours construction instantanée 500. On va le faire. Alors on va le faire pourquoi? Parce que hein, si mon dieu, je me suis fait en... Ça prenait moins 4 et maintenant ça prend 6. Ça me faisait moins 4 de bonheur, et là maintenant ça fait moins 6 de bonheur, je ne sais pas pourquoi. J'ai un bâtiment ici qui donne du bonheur aux provinces adjacentes. Mais apparemment rien à foutre. Putain, c'est moche ce qui m'arrive. Hein.
Ouais, c'est très moche là ce qui m'arrive. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Est-ce que par hasard. Je vais devoir faire ça. Hein. Est-ce que je peux faire. Par exemple, deux fois les mêmes machins. Maison de Senet là. Pardon. Est-ce que je peux refaire une maison de Senet? Un puits ou un machin? Non. Est-ce moins compliqué là? Moins compliqué ou... Enfin, au choix, vous choisissez. Mais... religieux. Et puis bon bah on va croiser les doigts. Ah oui. Comment ça il y a des grands prêtres d'un coup là? Comment ça je suis même pas au courant? Comment ça j'ai même pas pu postuler? Terrible hein. On va faire un coup de chantage hein. En 13%. Pas déconner. Qu'est-ce que ça va faire ce tour là? C'était mal barré. Il va de la pierre contre du bois pendant quelques tours. J'aimerais savoir comment j'en produis. C'est cher payé hein. C'est cher payé tant de pierres pour du bois hein. Attends, mais il m'a attaqué lui en plus tout à l'heure. Attends, c'est quoi le délire là? Oh mais attends, ça existe ça? Ouais, je vais voir sur une carte là, un gros truc là, une sorte de bras du Nil là, c'est ça qui... Oh. Il faudra que je me renseigne, ça a l'air grave stylé. Ouais, du bois, c'est pas mal, mais... Ça coûte cher en pierre, quoi. Sachant que je vais choper une ville côtière, non. Si je chope cette ville là, c'est gagné. Enfin c'est gagné. Je pourrais apporter du bois si j'ai compris le bignouf là. Bon. On va pas attaquer, c'est toujours ça. Alors qu'est-ce que c'est? Détournement. Le commandant en chef. Ça me va. Non, c'est ça que je remercie. Bon, ça j'ai pas trop le choix que de faire ça. Lui, on va le faire revenir. J'ai pas vraiment envie d'aller lui piller le reste, quoi. Mais bon, si j'ai pas le choix, j'irai. Hein.
Allez, Khéops, ok. Gizeh, je veux dire. Bon bah on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui, moi j'espère qu'il vous aura plu. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode, je vous remercie d'avoir suivi. C'était Tiob. Ciao.